Alors, donc je reçois, je l'ai dit, Monique Beljanski, Gérard Wedlich. Gérard, je vais vous demander de faire un effort pour laisser parler Monique Beljanski. Pendant quelques instants, moi. Et Jean-Paul Leperlier, journaliste qui connaît très très bien l'affaire Beljanski. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs que Jean-Paul Leperlier commence à exposer un tout petit peu, parce qu'il était persuadé au début que cette histoire Beljanski était une histoire de forban et de crapulerie. Et il a commencé une enquête avec cette arrière-pensée-là. Oui, c'est une de mes amies qui dirigeait un laboratoire. Je vais donner la parole, Jean-Paul. Ce que je voudrais dire avant, c'est pourquoi je parle de cette affaire Beljanski. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que j'en ai fait une espèce d'affaire personnelle, étant donné que ceux qui ne connaissent pas, ceux des auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler, vont comprendre, à mesure que l'émission va avancer, pourquoi il y a un caractère, cette affaire a un caractère absolument révoltant. Révoltant, c'est le mot. On est dans un état stalinien et absolument totalitaire de violence, mais le pire des stalinismes, c'est-à-dire le stalinisme dans lequel la police politique est mise au service des intérêts financiers. Alors, c'est tout même pas un idéal moral, c'est même pas un idéal pervers, c'est même pas un idéal vicieux comme pouvaient avoir les communistes staliniens, c'est carrément le fric, le fric, le fric. Et alors, tuer des gens, menacer des gens, museler des gens, pour empêcher que soit portée atteinte au formidable pactole que représente la maladie en France, et notamment le cancer, dont je vous rappelle, Lumière, je ne sais jamais si c'est Louis ou son frère, disait « Le cancer fait vivre plus de gens, déjà au début du siècle, le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. » C'est Schwarzenberg qui a dit ça dans son livre. Oui, changer la mort. Il a volé, entre autres, c'est parmi les nombreuses choses qu'il a volé. J'avais lu ça dans le livre « Changer la mort » de... Bien. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, et qu'on va vous raconter, je pense que Jean-Paul va vous le raconter, ou Monique Beljanski, vous verrez, je répète ceux qui n'ont pas déjà entendu. La première raison pour laquelle je reparle souvent de l'affaire Beljanski, c'est parce qu'elle est exemplaire à travers ça. La deuxième raison, aujourd'hui, c'est parce que, enfin, il semble que l'instruction, qui a duré depuis, je ne sais pas, 5 ans, au plus, arrive au bout, et vraiment, en dépit de tous les efforts démesurés que les juges prévenus, que des policiers à la botte, que des gendarmes mal utilisés ont fait pour trouver quelque chose qui ne va pas, il semble qu'il n'ait absolument rien trouvé. En tout cas, s'ils avaient trouvé le moindre centime soustrait au titre de l'abus de biens sociaux dans l'association Beljanski, Wedlich ne serait pas ici aujourd'hui, il serait probablement au Bombette, à la Santé, ou je ne sais où. Or, il est ici. Et pour autant que je sache, il n'a pas l'air d'être milliardaire. Et par conséquent, au moins cet aspect de la chose, l'aspect... Et juridiquement, on est au quatrième juge d'instruction, par exemple. Voilà. Et tout des... et dans ce scandale sans précédent... il faut savoir que nos adversaires sont les renseignements généraux, la DST, c'est une affaire d'État. Voilà. C'est une affaire d'État. La troisième raison pour laquelle je parle de ça, c'est donc que le procès va intervenir au mois de mars, donc on en reparlera encore. Mais la raison principale, c'est que cette affaire fait au moins, je dis bien au moins, un mort, qui est Mirko Beljanski lui-même, qui était un homme qui a été littéralement torturé moralement, persécuté, et qu'on a conduit au désespoir, le désespoir qui a fait que il y a un moment où il s'est abîmé, en quelque sorte, dans la maladie à laquelle il résistait depuis des années, grâce d'ailleurs probablement à ses produits. Et ceux qui ne le croient pas n'ont qu'à commander un numéro de dialogue, dans lequel, à l'arrière duquel il y a 4 photos. C'est absolument stupéfiant. Vous allez voir ce que cet homme a été à un certain moment quand il était au fond de la maladie, et en quelques mois, comment il a récupéré, c'est prodigieux de voir ces photographies. Et ayant récupéré, il y a eu un moment où, soumis de nouveau à la pression policière, à la pression médiatique, à la pression judiciaire, fiscale, à la pression fiscale, aux menaces, aux insultes, etc., il a dit « bon, j'en ai marre ». Je pense que c'est ça, je sais oui, pas, tout à fait. Monique Beljanski, je pense qu'il a dit « je suis un homme, c'est fini, je suis fatigué, j'arrête ». Et il a arrêté de se battre. Surtout quand on lui a interdit de continuer à travailler au laboratoire. Enfin, et de parler. On n'a pas interdit le laboratoire, mais on a supprimé tous les fonds et on a dispersé toute l'équipe, donc il s'est retrouvé tout seul. Et c'était, il faut le dire, ça c'est un espoir encore... C'est, parmi les innombrables aspects révoltants de cette histoire, il y a le fait que dans la justice, le juge d'instruction lui avait fait lui retirer son passeport, bien entendu,
mais il lui avait fait interdiction d'approcher les médias, c'est-à-dire c'était un homme qui n'avait pas le droit. Dans ce pays où n'importe qui peut parler aux journalistes, n'importe quel détraqué, n'importe quel assassin, n'importe quel voyou, n'importe quel homme politique, pardon pour le pléonasme, peut s'adresser à la presse librement, il y avait un homme qui n'avait pas le droit de parler aux journaux, qui n'avait pas le droit de parler à la radio, pas le droit de parler à la télévision, c'était Mirko Beljanski. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé un produit qui guérissait le cancer. Alors, ni ça, parler à ses collègues scientifiques de l'étranger. Ni évidemment parler à ses confrères. Voilà, alors, Jean-Paul Le Perlier, raconte-nous ton histoire. J'ai commencé d'abord persuadé que j'avais affaire effectivement à des escrocs. C'est une amie qui dirigeait un laboratoire pharmaceutique international qui m'a dit, écoute, voilà, je la connaissais depuis 30 ans, c'est un service qu'elle me demandait. Il y a un type là qui est un petit peu bizarre quand même, qui prétend guérir des choses inguérissables. C'est une concurrence absolument déloyale. Si tu pouvais nous dégager un bon scandale là-dessus, ça serait parfait. Je travaillais, comme vous le savez, à Minute, qui est un journal assez impitoyable. Et je me suis donc lancé sur ce sujet haineusement, désirant lui rendre service et donc persuadé de dénoncer un escroc. Évidemment, un escroc, c'est quelqu'un qui a rosé son escroquerie, qui sait parfaitement vous raconter n'importe quoi. Je me suis dit, il n'est pas nécessaire d'écouter cette personne, il me dira des bêtises. Les seuls gens, qu'il s'agisse de la médecine officielle ou de Beljanski, qui peuvent juger ce qui se passe dans ce cas-là, ce sont les malades. Eux, par contre, les malades ne mentent pas. Quand ils sont encore vivants, bien sûr. Voilà. Et c'est eux qui peuvent vous dire, voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé à interroger des malades, persuadé qu'on allait me dire quel escroc, et je suis tombé sur un nommé Le Guen, qui avait, je crois, à l'époque 15 ans, il doit être à 17 ans maintenant de survie, alors qu'il était condamné à vivre 2 mois, qu'il était déjà dans un coma suite à un cancer du médiastin. Adénome carcinome pancréatique. Voilà, ça, du médiastin, c'est ça, proximité pancréase, voilà, très bien. J'ai rencontré ensuite au téléphone très vite, par hasard, ce monsieur Wedlich ici présent qui lui vous racontera, tu peux peut-être nous interrompre une seconde pour dire ce qu'il en est en ce qui te concerne. Bon, moi j'ai été affecté d'un sida, donc sida déclaré. Je suis un fonctionnaire de police à la retraite, j'étais maître-nageur sauveteur, j'ai pratiqué une réanimation intensive sur un noyé en 85. L'intéressé avait une barbe dure, est mort d'un œdème aigu pulmonaire, il vomissait que du sang. Et puis, quelques mois plus tard, sida déclaré, 4 maladies opportunistes. Alors déjà, vous voyez, là il y a un interdit à parler de ce type de contamination. Mais là c'est une contamination, c'est clair, plaie sans sang. Et je me suis retourné contre l'administration, naturellement, pour invoquer la carence des embouts de protection buccale en réanimation qui existaient au Canada, en Angleterre, partout dans le monde, sauf en France. Mais ça, c'était un combat personnel, etc. Pour l'essentiel, pour moi, c'était la maladie. La maladie, ce sida déclaré qui commençait, et alors que j'avais la spécialité, entre autres, d'infirmier, je savais exactement très bien à quoi j'avais affaire. À l'époque, on disait que 10% de personnes mouraient. Peu de temps après, on en a dit 30, ensuite 70, et pour aujourd'hui, dire tout le monde meurt. Alors, quand vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants, vous êtes grand-père 3 fois comme moi, c'est la fin du monde. C'est tout à fait, c'est quelque chose d'effrayant. Donc, mon souci premier, c'était de trouver une solution par rapport à cette maladie. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance par l'intermédiaire d'un médecin très, très ouvert d'esprit, qui connaissait les travaux de Mirko Beljanski, puisqu'il savait qu'une seule chose, on est en 85, du virus du sida, que ce virus était un virus à ARN, à acide ribonucléique. Et donc, il savait que Mirko Beljanski, un chercheur, un ancien pasteurien, avait travaillé sur les virus à ARN, en particulier l'érythroblasme aviaire, la mosaïque du tabac, ce sont des virus à ARN. Et il lui a téléphoné en ma présence, moi qui étais effondré dans son cabinet, psychologiquement foutu, c'était terrible. Eh bien, il a téléphoné devant moi, j'ai obtenu un rendez-vous, je me suis rendu à Châtenay-Malabry, puisqu'il travaillait à l'époque à Châtenay-Malabry, et c'est pour moi que Mirko Beljanski a fabriqué les premières gélules de Pao Pereira, un extrait de plante d'Amérique du Sud, qui non, prend l'appellation. Il le faisait déjà pour des gens qui avaient le cancer, mais enfin pour le sida, c'était le sida, c'était ça. Oui. Je suis sa première expérience sur le principe donc de la maîtrise des virus à ARN, puisqu'il partait du principe que si ça marche sur les plantes, ça marche sur les animaux, pourquoi ça marcherait pas sur les humains. Et de là donc il m'a donné des gélules, il m'a demandé un petit papier pour le couvrir, hein, en disant que j'acceptais d'essayer ces gélules, etc. Et alors là c'était tout à fait prodigieux. Peu de temps après, mes maladies opportunistes qui étaient de l'herpès explosif
mais impressionnant. Les diarrhées permanentes, les candidats albicans, les champignons qui me rongeaient tout le corps et cette lassitude insurmontable des malades du sida que tous les malades du sida connaissent, eh bien, peu de temps après avoir consommé ces produits, les médicaments que le médecin m'avait prescrits pour les maladies opportunistes devenaient actifs. Et depuis, je ne suis jamais plus tombé malade. Donc, uniquement du Pao Pereira, quelques oligos éléments de base que tous les spécialistes du sida aujourd'hui ont reconnu, parce que j'en dis en 85, là, 86, hein, quand même. Donc, Beljanski était vraiment un précurseur dans ce domaine. C'est lui le premier qui m'a parlé de l'intérêt du sélénium, des antioxydants dans le sida, du zinc, du calcium, le rôle de certaines substances qu'il fallait faire attention. Et plus son Pao Pereira pris massivement. Et le résultat, il est là. Le résultat, il est que, si vous voulez, à l'époque, je faisais 72 kilos. Eh bien, j'en fais aujourd'hui 90. Et c'est, je crois, le critère le plus impressionnant. Un peu trop, peut-être, non? Comment... C'est la référence, parce qu'un malade du sida déclaré qui prend un poids pareil et qui est dans une forme comme je suis, ça n'existe pas. Ouais, non, ça, c'est clair. Alors, ça, de là, médicalement... J'ai déjà dit que c'était assez intolérable, d'ailleurs. Médicalement parlant, ce qui est le plus... fascinant pour les spécialistes, c'est fin 91, donc avec quand même des examens avant, des PCR, ce sont des recherches de virus à ARN, c'est la forme de l'ADN proviral dans à l'époque, hein, je parle des examens en 80, parce qu'il n'y avait pas ces examens actuels de charge virale, de choses comme ça. Bon, donc à l'époque, j'ai fait tous ces examens et fin 91, sur plusieurs analyses, je précise bien, les anticorps disparaissent. Les anticorps disparaissent petit à petit pour tomber à zéro. Ce qui est impossible, censément. Alors, si, mais c'est l'interprétation, c'est la mort. Alors j'étais allé voir le professeur Goudot, je suis allé voir le professeur Goudot à Tours pour avoir une explication sur ses analyses, et je lui ai fait un petit subterfuge pour obtenir un peu l'indication, ce que je voulais savoir. Et le professeur Goudot me répond, eh bien écoutez, si les analyses que vous me montrez là sont bien celles du même malade, aujourd'hui, et on était en décembre 91, cette personne est en train de mourir du sida déclaré, parce qu'il n'a plus d'anticorps. Et il ne savait pas que c'était moi qui étais à côté de lui. Alors, début 92, une nouvelle génération d'anticorps, sur plusieurs mois, est remontée à crever le plafond. Et aujourd'hui, j'ai un taux d'anticorps dans mon organisme qui crève le plafond. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est le point le plus important dans ce témoignage, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai des courriers... On ne peut même pas espérer qu'il va tomber malade et s'arrêter. J'ai des courriers, par exemple, vous voyez, du 21-11-94 du docteur Descamps, qui est un spécialiste du sida du Centre Hospitalier Général de Niort, il écrit « La disparition des anticorps anticorés est un phénomène non réversible à ma connaissance de clinicien. » Et j'ai un autre courrier du professeur Didier Sicard, qui était spécialiste du sida à l'hôpital Cochin de Paris et qui a été nommé président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. J'ai une lettre de lui, il m'écrit « Lorsque les marqueurs anticorés chutent, ils ne remontent pas. » Et moi, j'ai la preuve de l'inverse, puisque sur mes analyses, ces anticorps sont remontés à fond. Okay. Alors, en synthèse, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans le livre « La santé confisquée » de Mirko Beljanski, à la page 63, Mirko Beljanski reprend une interview du professeur Luc Montagnier dans Le Monde du 7-6-89. Et le professeur Montagnier, il s'était fixé un objectif avant l'an 2000, il a déclaré « Un jour, la solution consistera à mettre au point un procédé capable de bloquer l'évolution d'un séropositif vers la maladie. Si l'on parvenait à bloquer l'infection dès le départ par des produits antiviraux, rien de pathologique ne surviendrait ultérieurement. » Et Mirko Beljanski lui répond « Il a raison et c'est ce que fait le PAOV Beljanski dans l'utilisation assidue, procure une auto-vaccination du malade. » Alors ça, c'est mon vécu. Personnel, je ne suis pas le seul malade dans ce cas, puisque vous avez des malades comme Pascal Labadie en Bretagne ou d'autres qui ont des charges virales qui ont totalement disparu et baissé dans un premier temps. Et vous savez qu'en virologie, tout traitement qui fait baisser une charge virale est intéressant et devrait être exploité, sauf hélas, les produits Beljanski. Alors, en tout cas, ça n'a pas atteint les cordes vocales, hein.
Non, non, ça n'a pas d'essence. Anecdote amusante, dans le prochain livre qui va sortir pour le procès, qui s'appelle Chronique d'une Mirko Beljanski ou Chronique d'une fatwa scientifique, je règle certains comptes. Et je rappelle une lettre de Claude Évin lorsqu'il était ministre de la Santé, qu'il dit et qui écrit « Les produits Beljanski ne peuvent pas être des médicaments car ils n'ont pas d'effet secondaire ». Marquez qu'un ministre qui dit des bêtises, c'est quand même moyennement étonnant. Alors, Jean-Paul, je voudrais revenir à la démarche. Oui, alors la suite de l'enquête, c'est que je me suis dit, bon, il faut que je rencontre maintenant d'autres personnes. De toute façon, un ou deux malades guéris, mais enfin, ça arrive tout le temps. Hein, ça arrive, on n'explique pas, mais il y en a toujours. Voilà, ça ne veut rien dire. Mais à partir d'un certain nombre, ça devient quand même troublant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des dizaines de malades ou des centaines à la fois? Il y a eu de temps en temps des médecins qui ont eu à voir avec l'ordre des médecins pour avoir donné des produits Beljanski. Ah, je me suis dit, ça y est, je tiens la preuve de l'escroquerie, là je vais tomber sur des malades qui ont porté plainte. Enfin, voilà. Je vais donc boulevard Malesherbes, au tribunal de l'ordre des médecins, et il y avait effectivement énormément de malades dans mon esprit portant plainte. Il y en avait des centaines sur le trottoir. Il y en avait dans l'espèce d'entrée qui est relativement vaste dehors des médecins. Il y en avait tout le long du couloir et la salle était pleine. Il y avait peut-être 400 ou 500 malades qui étaient là. Ça faisait beaucoup de plaignants. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'aucun de ces malades n'était des plaignants, c'était des gens guéris qui venaient témoigner. Et qui avait porté plainte? C'était un médecin voisin qui, voyant que tous ces malades allaient se faire guérir chez un de ses confrères, avait vu l'argent diminuer dans les caisses et c'était plein. J'ai assisté à plusieurs... Alors bien sûr, dans ces cas-là, j'avais des malades à interroger, je m'en suis pas privé, et à l'heure actuelle, de procès en procès, de manifestations de malades réclamant leurs médicaments Beljanski, vous en parlerez, qu'on est allé leur retirer jusque sur la table de nuit. Bah chez moi, par exemple, eh bien, voilà. Eh bien, j'ai donc interrogé ces gens-là, et j'en suis à l'heure actuelle... enregistré pour certains, d'autres un peu moins, mais j'en suis à peu près à 3500, 3800 malades à qui j'ai parlé, que j'ai vu porter des banderoles, que j'ai interrogé, en à peu près 6 ans d'enquête à minute. Je n'ai pas passé mon temps à enquêter là-dessus, mais chaque fois qu'il se passait quelque chose, ça m'intéressait de plus en plus. Au début, c'était un défi. Je voulais absolument trouver mon escroc, et je me suis rendu compte que l'énorme scandale Beljanski, c'était d'abord ce qui a été relevé d'ailleurs par un juge au tribunal de Saint-Étienne. Le seul scandale, c'est que l'État n'ait pas donné à un savant de cette envergure le moyen de faire tout le bien qu'il pouvait faire. Voilà. Et en plus, ils l'ont assassiné, comme ça sera expliqué ici. Il y a un aspect, puisqu'on nous bassine en ce moment avec le principe de précaution. Et par exemple, dans le cas de la vache folle, on attend comme le messie l'opinion des scientifiques pour savoir si le prion est dangereux, si on peut manger de la côte de porc ou de la côte de bœuf ou du T-bone steak ou pas, etc. S'il faut supprimer les farines animales ou pas. Eh bien, là, on a demandé l'avis de personne. Je dirais que les experts, au cours de tous les scandales de santé qui ont défilé depuis pas mal d'années, ont fait preuve de leur non-prévisibilité et de leur... Je ne veux pas dire incompétence, mais de leur manque de jugeote. Vous savez, si les experts étaient si forts que ça, ils ne seraient pas experts, ils seraient chercheurs. C'est quand même, probablement. Au lieu de surveiller les travaux des autres, que leurs propres travaux. Ça, c'est comme les syndicalistes qui ne font pas leur boulot, ils font du syndicalisme. Donc ou les professeurs de journalisme, c'est une chose. Oui. Dans les écoles de journalisme, il y a des gens qui enseignent le journalisme. Mais moi, j'ai été journaliste toute ma vie, je n'ai eu le temps d'enseigner. Mais la lutte contre Mirko Beljanski n'a pas commencé avec les produits. Elle a commencé dès qu'il a commencé à trouver quelque chose. Alors, déjà... c'est pour ça que je voulais me tourner vers vous maintenant, parce que je crois que sur la question de l'escroquerie, entre guillemets, bon, les témoignages qu'a recueillis Jean-Paul Leperlier, entre 3500 et 4000 témoignages, c'est... Oui, dernier point quand même, j'ai quand même continué mon enquête et je suis allé voir notamment où ces gens-là étaient installés en définitive, toujours sans interroger Mirko Beljanski, que malheureusement je n'ai pas eu le bonheur de connaître. Bon, et j'ai vu ce qui avait été fait dans leur laboratoire à Saint-Prime. Il est certain que tout l'argent que ces gens-là récupéraient, c'était pour la recherche, c'était pour loger des malades à proximité des médecins, à proximité des chercheurs. Il y avait là-bas une idée de travail extraordinaire, où pour la première fois, les malades, les médecins, le biologiste pouvaient se rencontrer et travailler ensemble. C'était une avancée extraordinaire. C'est aussi ce qui a été détruit là-bas par les CRS, pardon, par les gendarmes mobiles. On aura envoyé des gens masqués, comme on aurait fait pour une prise d'otage. Enfin, c'est invraisemblable. Ouais. Voilà, Jean-Paul Leperlier, au point de vue journalistique, puisqu'on avait organisé plusieurs manifestations,
à Paris, à Lyon, etc. Et je me souviendrai toujours de cette manifestation du 1er décembre 96, où il y avait plus de, environ 3000 malades dans la rue, à Paris, avec des ballons noirs, PB100 égale vie. Le seul journaliste sur le parcours qui prenait les photos, c'était Jean-Paul Leperlier. Et peu de temps après, il avait fait un article extraordinaire dans Minute qui s'intitulait « Exercice illégal de la guérison ». D'ailleurs, ce titre-là va faire l'objet d'un livre prochainement. Mais je dois dire que si on avait eu des arguments scientifiques et valables, ou médicaux, ou scientifiques contre Mirko Beljanski, on n'aurait pas eu besoin d'envoyer l'armée, les gendarmes et le fisc. Car le fisc est un instrument absolument redoutable en France, qu'on envoie contre tous les médecins qui ne suivent pas exactement la lettre, les directives du Conseil de l'Ordre. Et on les harcèle, on leur fait des contrôles fiscaux sur contrôle fiscal, etc. Donc, je dirais que c'est un aveu de manque d'arguments pour des choses scientifiques ou médicales. Il y a une chose qui est amusante, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de Vichy est maudit, bien entendu. C'est l'horreur absolue. C'était l'époque où la France montrait le chemin du nazisme à l'Allemagne hitlérienne. Mais là, alors, le Conseil de l'Ordre, personne ne trouve rien à redire. Pourtant, autant que je sache, c'est une création de Vichy. Là, on pourrait quand même, puisqu'ils sont aussi dynamiques dans la traque des rescapés des heures les plus sombres, c'est le moment ou jamais. Alors, ce que je voudrais, Malik Beljanski, c'est que vous nous racontiez, ou vous racontiez aux auditeurs, comment ça a commencé, tout ça. Ça a commencé déjà avec à l'Institut Pasteur, où Mirko et moi, nous travaillions ensemble dans le service de Jacques Monod. Chaque fois que Mirko trouvait quelque chose, Jacques Monod s'irritait de cette trouvaille. C'était pas toujours une découverte, mais des fois c'était une petite observation intéressante, quelquefois une chose plus importante, et cherchait à l'empêcher de publier. Quand il a trouvé la transcriptase reverse, Monod lui a dit « Je vous interdis de publier ça ». Mais alors pourquoi Il y avait un problème de vanité personnelle, je pense. Il y avait un problème de... Une fois, Monod m'a fait une réflexion qui m'a laissé un peu pantoise. Il m'a dit, je sais que Mirko fait du bon travail. Je lui ai dit, mais à ce moment-là, votre attitude est encore plus scandaleuse. Ma chère, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Ça, c'est une parole de quelqu'un qui est, je dirais, presque au service d'un courant. Ouais. C'est pas la parole de quelqu'un qui est libre de juger. Et je suis sûre que Monod savait que Mirko faisait du bon travail. Mais il y avait un système, il y avait une directive générale. D'ailleurs, on l'a bien vu par la suite, parce que finalement, toute la science a été, il y a eu une espèce de prise de pouvoir de la science, comme il y a eu une prise de pouvoir politique, et on ne pouvait pas supporter et accepter qu'un chercheur reste libre, n'appartienne pas à un système. D'ailleurs, on a fait pas mal de pression sur Mirko pour qu'il entre dans différents groupements, etc. Mirko était épris de liberté. Et puis, sans très bien savoir ce qu'on attendait de lui, il sentait que c'était pas très clair et pas très sain. Et d'instinct, il se défilait et ne voulait s'occuper que de science. Et ça, on ne lui a pas pardonné, parce qu'un scientifique qui a des résultats et qui n'appartient pas à un groupement où on peut le manipuler, c'est intolérable pour la science actuelle. Entre autres, la franc-maçonnerie, par exemple. Ouais. Entre autres. J'aime pas trop ça dans mon émission. Vraiment, ça me gêne beaucoup. C'est une réalité. Mirko Beljanski a eu 3 propositions. On leur prête beaucoup plus qu'ils ne rendent, d'ailleurs. Bon, mais revenons aux travaux de Beljanski. On mesure la valeur d'un scientifique, il est de coutume en tout cas de mesurer la valeur d'un scientifique au nombre des publications qui sont acceptées dans les revues professionnelles. Mirko n'a pas un nombre excessif de publications, il a 133 puisqu'il y en a une nouvelle qui vient de sortir à titre posthume, mais chaque publication est originale, parce que vous avez beaucoup de patrons de médecine qui, dès qu'un de leurs étudiants observe quelque chose ou un cas clinique, ça y est, on fait une publication. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité, oui, l'originalité. C'est le nombre, c'est ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, il a donc, lui, il fait 133 publications qui portent sur
Quel sujet principalement? Tout au long de ses 45 ans de recherche, il a travaillé pendant des années sur la recherche fondamentale. Il n'a jamais cherché des produits thérapeutiques. C'est venu tout seul. Ce sont des conséquences de sa recherche fondamentale. Et je pense que s'il a trouver autant de choses intéressantes dans le domaine médical, c'est justement parce que c'est pas ça qu'il a cherché. Il a fait un travail précurseur, extrêmement approfondi, pour comprendre les mécanismes, comment la cellule fonctionnait, qu'est-ce qui la différenciait d'une cellule cancéreuse. La plupart des chercheurs qui sont dans le domaine médical cherchent un médicament, mais sans très bien connaître le matériel avec lequel ils travaillent. Mirko a passé des années et des années à étudier les enzymes, l'ADN, l'ARN, le mode de réplication d'une cellule, ce qui infléchissait sa réplication dans un sens ou dans un autre, et à ce moment-là, seulement quand il a eu une connaissance parfaite et la maîtrise de ces phénomènes-là, il était en mesure de pouvoir chercher des produits qui agissaient. Alors, sur quoi était fondé sa démarche au départ? Qu'est-ce qu'il... Je vous dis la compréhension d'abord des mécanismes et des différences qu'il y a dans la physiologie d'une cellule saine et d'une cellule cancéreuse ou d'une cellule qui a une pathologie donnée. Et à partir du moment où vous trouvez une différence, vous avez un moyen d'action. Comment empêcher cette différence? Comment la forcer à essayer de revenir vers une physiologie normale? Donc c'était un moyen vraiment purement scientifique et non pas médical. C'est une approche totalement différente. Mais au départ, quand il a cette démarche, donc il y a un moment où il dit, effectivement, ce dysfonctionnement de la cellule, cette aberration cellulaire, on peut l'empêcher de se manifester, on peut la corriger. On peut bloquer. On peut la bloquer par telle et telle Tout à fait. Action chimique, enfin par telle et telle. Non, par des produits naturels. Produits naturels. Mais quand il apporte ce résultat, quand il publie ça, normalement. Il fait un rapport et il écrit à l'Institut Pasteur en disant j'ai des résultats qui me permettent de faire ceci, de faire cela. Il n'y a pas eu de réponse et puis il a. Mais pourquoi alors, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça venait de lui. Et que ça venait de quelqu'un. D'abord, je pense que ça ne les intéresse pas de trouver des produits qui guérissent. Et deuxièmement, parce que ça venait c'est de quelqu'un. C'est énorme ce que vous dites. Absolument, mais vous savez c'est évident. C'est pas la bonne santé qui rapporte de l'argent au laboratoire pharmaceutique, c'est la maladie. C'est la consommation. Donc on soigne le symptôme, on veut pas guérir les gens. J'entends bien, la consommation médicamenteuse qui est importante. Oui, si vous guérissez quelque chose, quelqu'un, au bout d'un certain temps, il prend plus de médicaments, il ne rapporte plus rien. Je le comprends pour un laboratoire. C'est la fameuse histoire du vaccin contre les caries dentaires. Oui. Alors, Jean-Paul. Oui, eh bien, il y a quand même, on a vu le scandale de l'ARC, on a pu voir combien de milliards circulaient. Il y a des milliards qui sont encaissés par des gens dont le métier est de chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve? C'est vrai que c'est embêtant. C'est une catastrophe. Ça remet aussi en question leur efficacité. Je pense que ça dépend aussi qui trouve. J'ai un tout petit exemple que je trouve amusant. Par exemple, Mirko a mis au point les RLB. Ce sont des molécules, maintenant ça s'appelle Rialbult dans le commerce, puisque c'est commercialisé aux États-Unis. Ce sont des molécules qui permettent de restaurer l'immunité des malades qui ont subi une chimiothérapie ou une radiothérapie. Ça remontait le globule blanc et les plaquettes. À l'époque, nous avons eu un contrat avec l'Institut Mérieux, avant qu'il fusionne avec l'Institut Pasteur. Il y a une lettre du numéro 1 de la pharmacie qui donne à Mérieux l'autorisation de distribuer aux médecins qui en font la demande ce produit-là. Quand nous avons fait la distribution, alors que c'est nous qui avions appris à Mérieux comment fabriquer, etc., on nous tombe dessus en disant c'est un scandale, vous vous permettez de, etc. Tout dépend qui trouve. Tout dépend qui distribue, si on appartient au réseau, pas au réseau, si on est manipulable, si on peut faire de vous un petit soldat pour telle cause ou telle autre cause. Mirko était un homme libre et indépendant, et ça, c'est plus admis en France, et surtout dans la recherche. Alors, on va venir tout à l'heure à la
à l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire Beljanski, dans ses développements les plus récents. Mais je voudrais vous reposer une question que je vous ai déjà posée ici, mais je pense qu'il y a de nouveaux auditeurs qui doivent se demander la même chose. J'imagine que quand le professeur Beljanski, professeur en pharmacie, en sciences biologiques, docteur et sciences d'État. Voilà. Donc quand il a fait ses directeur de recherche, ses trouvailles, ses découvertes, qu'il a commencé à publier, on a dû lui faire des propositions pour partir dans les laboratoires étrangers ou pour... Oui, il a eu souvent des propositions pour avoir des postes intéressants en Amérique, mais Mirko était venu à l'âge de 22 ans en France. Il avait fait toutes ses études en France, il s'était naturalisé et on peut dire qu'il avait épousé avec beaucoup d'enthousiasme la France qu'il imaginait être un pays de droit, un pays de liberté. Au fur et à mesure que... D'abord, c'était un homme modeste. Donc, pendant longtemps, il a pensé que c'est lui qui ne savait pas se faire comprendre, qui n'avait pas bien expliqué. Il avait un petit peu les complexes des gens qui ne manipulent pas très bien la langue au début et qui pensent qu'ils sont maladroits. Au bout d'un certain nombre d'années, il a parfaitement compris que plus c'était intéressant, plus on le barrait. Et c'est pas un homme qui faisait volte-face, c'est un homme qui restait fidèle. Et honnête. Il était entêté peut-être un peu, non? Pas entêté, mais il estimait que fuir et partir à l'étranger n'était pas la solution, qu'il devait ici se battre pour arriver à faire... Moi, il m'avait dit un jour, j'ai été payé toute ma vie par l'argent des contribuables français pour des bourses, pour scier, etc., etc. Je dois, par honnêteté, le fruit de mon travail aux gens qui m'ont payé toute ma vie. C'est quand même quelque chose de noble, ça. C'est possible qu'il n'ait pas mesuré à quel point de saloperie, je m'excuse du terme, mais on pouvait arriver contre lui. Je pense qu'il, dans sa fraîcheur, car c'était quelqu'un qui était frais du point de vue sentiment, dans sa fraîcheur, il n'a pas évalué le cynisme et l'horreur d'un système. Alors donc, il commence à distribuer ses produits, ce que nous expliquait Gérard Bédlige tout à l'heure. C'est pas lui qui a distribué ses produits, c'est la société Syris. À des amis, à des relations, à des gens qui viennent le voir. Quelques-uns, pour savoir jusqu'où on pouvait aller. Il était pris aussi par la curiosité de savoir dans quel cas ça marchait, etc. Mais après, quand ça a pris un peu d'extension, il y a eu l'association qui s'est formée autour de lui pour soutenir ses travaux, et c'est eux qui se sont occupés de commercialiser les produits. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que commencent les ennuis juridiques, judiciaires, fiscaux? Oui, parce que nous les avons distribués. Enfin, ils ont été distribués de façon légale en pharmacie sous forme de complément de préparation magistrale, ce qui était parfaitement légal. À peine le pouvoir public ont appris que les produits étaient dans les pharmacies, tout de suite Ils ont fait un procès. Ils ont d'abord interdit les préparations magistrales. Ils sont allés chez les pharmaciens. Ils les ont menacés. Donc beaucoup de pharmaciens ont pris peur. Donc ça a été arrêté sous cette forme-là. Et puis les malades réclamaient les produits. Certains nous disaient, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas arrêter au milieu d'un traitement comme ça, etc. Donc on a pris le risque. En toute connaissance de cause, on a pris le risque de continuer à le faire quand même, en se disant, après tout, légalement, on risquait 30 000 francs d'amende. Tout à fait. Donc on s'est dit, pour sauver des vies humaines, ça vaut le coup. Et nous avons sauvé beaucoup de vies humaines, absolument, tout à fait. On a énormément de lettres de témoignages qui sont d'ailleurs, une partie se trouve dans les dossiers de la justice, mais... Et mis en sécurité par l'association aussi, oui, le procès. Tout à fait. Ça va servir. Alors, le moment où, vraiment, et là je me tourne vers Gérard, parce qu'il l'a vécu, lui, dans sa chair, vraiment. Le moment où ça explose, c'est ce fameux... 9 octobre 96. 6 heures du matin, chez moi, les gendarmes. Chez vous et chez les dizaines d'autres. Oui, et partout en France. Partout. Saisine mes gélules sur ma table de nuit. 20 heures de mise en garde à vue. Oui, j'ai cru que la Gestapo revenait. Tout le monde. Moi, j'ai été en garde à vue, je crois, c'est 39 heures. 39 heures, c'est 39 heures. Enfin, tout le monde, tous les malades.
Mirko, tout le monde. Alors, il faut, Francine Bocquet, que vous connaissez l'histoire. Il faut rappeler comment ça s'est passé matériellement. C'était, par exemple, dans le cas de Francine Bocquet, elle était chez elle. À 6h du matin. À 6h, des hommes cagoulés. C'est ça. Non, pas cagoulés. Cagoulés uniquement à service. Au siège de l'association, cagoulé, le GIGN. Chez elle, ils ont renforcé la porte, ils sont entrés. C'est ça. Ils l'ont enlevé, littéralement, pour l'emmener dans sa maison de campagne. Oui, oui, 400 km en Vendée, voir s'il n'y avait pas des choses, d'autres médicaments cachés là-bas, etc. Puis retour à Paris, et une fois qu'elle était revenue à Paris, son mari, il téléphone à son mari, il dit, vous pouvez venir chercher votre épouse. Et une fois que Francine, donc, son mari arrive, il peut même pas embrasser sa femme. Et ils disent, bon, ben, elle peut rentrer. Mais vous restez là. Gérard, c'est un micro. Le truc vert que vous avez devant vous, c'est un micro. Donc les gens n'entendent pas parce que vous criez par la fenêtre. Par le micro, ça passe très bien. Parce qu'il est tellement enthousiaste qu'il va nous faire péter les condensateurs. À Saint-Prin, ils sont venus absolument comme dans un film de, un film américain. C'est absolument grotesque. Cagoulé, des bazookas et. Et ils ont passé les menottes à Mirko, ils l'ont traîné. Il était là-bas. Ils l'ont ramené en train menotté, absolument comme un voyou, et ils l'ont collé en garde à vue à Créteil, comme moi, mais enfin, ils ne savaient pas où j'étais et je ne savais pas où il était. Et ensuite, on lui a. Il avait quel âge, pardon? Il avait 73 ans, 74 ans. Il était susceptible de casser la figure à deux gendarmes pour s'évader. C'est pour ça qu'on lui a mis les menottes, quand même. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a choisi la France, de quelqu'un qui a toujours imaginé que c'était un pays par rapport à son propre pays, un pays de liberté, de droit, et tout d'un coup qui est confronté à ça. En plus, quand on lui a interdit de continuer à travailler, à faire des conférences, à publier, un mois et demi après, il a une maladie qui l'a emporté très rapidement et il n'avait plus du tout le goût de se battre et de vivre après. Quand vous êtes arrivé pour la première fois devant un magistrat instructeur, comment ça s'est passé? Quelle était son attitude? Comment vous êtes-elle? C'est une femme, je crois. C'est une femme de 35-38 ans, la bouche pincée, qui m'a dit. Bon, je vous inculpe, vous allez me donner votre passeport, interdiction de ceci, interdiction de cela, et vous êtes mis en examen avec contrôle judiciaire renforcé. Je suis toujours sous contrôle judiciaire renforcé, c'est-à-dire que ça veut dire que chaque fois que je quitte la France, je suis obligée d'envoyer une lettre à Créteil, d'expliquer où je vais, de faire les photocopies de mes titres de transport, dire quand je reviens. Mais on m'a rendu mon passeport. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Depuis 96. Par contre, on n'a jamais rendu à Mirko son passeport, et même après sa mort, j'ai demandé, quand on m'a rendu mon passeport, pour raison humaine, quand on m'a rendu mon passeport, j'ai demandé le sien, on a refusé de me le donner. Bon, des fois qu'il s'évade des cimetières, on ne sait pas, tout est possible. Mais vous savez, moi, quand j'ai été mis 20 heures après en garde à vue, on voulait me relâcher comme ça, comme si de rien n'était. Alors là, je suis allé vers les gendarmes, j'ai dit, écoutez, j'exige d'être mis en examen. Alors l'OPJ dit, mais vous avez rien fait, j'ai dit, j'exige, parce que je veux rencontrer cette juge d'instruction, j'ai des choses comment à lui dire, madame Tarelli. Elle a changé déjà. Ça a changé, là. Maintenant, on est la quatrième juge d'instruction. C'est de la complexité du dossier. Jean-Paul. Oui, alors je voulais témoigner sur un autre point. C'est que je crois que les ordres, je ne sais pas de qui, mais étaient vraiment de détruire. On est journaliste ou on ne l'est pas. Je me suis débrouillé pour interroger le gendarme Kensinger, qui était un de ceux qui ont dirigé l'intrusion. Celui qui a dirigé. Le chef d'enquête. Voilà, tout à fait, voilà. 200 gendarmes. Et il m'a dit. Mais de toute façon, nous sommes parvenus, c'est ce qu'il fallait faire, à ce qu'il ne travaille plus. Voilà. Donc le gendarme était à la fois le juge et celui qui exécutait, celui qui décidait la décision. Alors qui le lui avait dit? Mais le but, c'était bien ça, arriver à ce que les gens de chez Beljanski ne travaillent plus. Et quand la juge a pris le passeport de Mirko, il lui a dit, mais enfin, pourquoi faites-vous ça? Elle a dit, pour que vous ne puissiez pas aller ailleurs, faire ce qu'on ne veut pas que vous fassiez en France. En dit long, je dirais, c'est pas la juge d'instruction qui s'occupait si Mirko faisait de la recherche ou faisait. Ça, c'est fabuleux comme déclaration. Alors, qui est on?
Vous savez, moi, en étant mis en examen, j'ai accès donc au dossier via mon avocat et j'ai lu, Serge, la dernière phrase du rapport de synthèse de l'OPJ Kettinger. Il dit à la juge d'instruction, Madame, il faudrait détruire tous les témoignages des malades, les preuves scientifiques pour que de tels faits ne soient plus réitérés. Non, mais vous rendez compte, c'est la destruction de pièces à conviction. Ouais, c'est grave. Et vous dites ça à un OPJ. Il ne vous croit pas. Parce que moi, j'avais des collègues, des amis gendarmes, bon, je leur ai dit, voilà, j'ai vécu ça. Mais ils me disaient, mais non, mais tu nous racontes des histoires, c'est pas possible. Alors, il faut que je leur montre les pièces. Et là, ils me disent, j'ai honte d'être gendarme. Je voudrais revenir sur le « on ». Parce que je crois que c'est ça qui est essentiel. Beaucoup de médecins sont persécutés. Encore hier ou avant-hier, j'ai appris ce qu'on faisait au docteur Amer. C'est absolument invraisemblable et scandaleux. Je crois que ce « on », ça remonte très haut. D'abord parce qu'on ne peut pas envoyer 200 gendarmes, des hélicoptères, un maître chien sans qu'il y ait un ordre qui vienne d'en haut du ministère de la... C'est au moins le ministère de l'Intérieur, du ministère avec l'accord du ministère de la Défense s'il s'agit de gendarmes. Tout à fait. Bien sûr. Donc là, il y a vraiment le verre se trouve là. Mais on a quand même du mal à imaginer, sauf si on est vraiment un tordu comme moi, qu'il puisse y avoir une espèce d'accord secret, une espèce de mafia, une espèce de communauté d'intérêt. Oh, il y a pas mal de gens qui avaient intérêt à bousiller Mirko. Pour... Oui, mais d'arriver à impliquer des hommes de l'État, un ministre, il faut au moins un ministre ou un directeur de cabinet, ou enfin il faut une puissance. Mais vous aviez beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié. Vous savez que les traitements de Mirko ont tiré certaines personnalités très hautes d'affaires. Tu vois que ça durait trop longtemps. Et qui n'ont pas du tout apprécié que ça leur supprimait et refermait certaines portes s'ouvraient au moment où on disait que... Il faut lire Gubler, le bouquin de Gubler là-dessus. Voilà. Il est hystérique. Oui, il est hystérique. Et en plus, il dit des contre-vérités à longueur de page. Mais son livre a été interdit, il faut quand même le dire. Faut dire la vérité. C'est scandaleux qu'il ait été interdit ce livre. Oui, mais ce livre, pourquoi il a été interdit? Quelle est la vraie motivation? Moi, je vais vous la dire. C'est parce qu'au chapitre 10, vous avez Gubler qui écrit, noir sur blanc, il dit « Mitterrand était soigné par les produits Beljanski, dans l'avion, une valise tombe, on identifie les produits, etc. » Au cabinet de Simone Veil, c'est la folie. Elle appelle son conseiller scientifique, de communication, je veux dire, Dominique Levert, et lui dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Dominique Levert dit « Taisons-nous, ça serait reconnaître toutes les médecines alternatives. » Alors c'est pour cette raison que le livre a été interdit. Mmh. Et le reste, c'est tout de la... Vous savez, oui, non, moi, je pense que c'est scandaleux d'avoir interdit ce livre, parce que c'est scandaleux d'interdire un livre, voilà, c'est tout. Et deuxièmement, je l'ai lu parce qu'il est interdit, mais il est sur Internet, donc n'importe qui peut le lire, et que il est quand même intéressant, il est hystérique contre les Beljanski, mais ça, on comprend très bien pourquoi, parce que lui, il avait une espèce de monopole de la santé de tonton, il n'est pas du tout... Ah, non, chaque fois qu'arrive un nouvel intervenant, il est foudrage, il n'est pas content, il trouve que c'est un mauvais, mais il dit quand même des choses intéressantes, et ça, c'est effectivement la partie la plus intéressante où il accrédite. La plus intéressante, c'est que quand même, il y avait là une démonstration magistrale de l'efficacité des produits, et que tout le monde n'a eu de cesse que d'étouffer ça, de dire tuons celui par lequel le scandale est arrivé, au lieu de voir que ça pouvait rendre service à des milliers de gens. C'est là le vrai scandale. Alors ce que je vous propose, Monique Beljanski, Gérard Wedlich et Jean-Paul Le Perrier, c'est de donner la parole aux éditeurs qui ont envoyé de très nombreuses questions et commentaires. Victoria va les lire après. On va d'abord donner la parole aux auditeurs. Pour mieux les lire, les lire tous et puis répondre après. Voilà, si vous voulez, selon la méthode... qui s'impose finalement à l'expérience à Radio Courtoisie, c'est noter les points qui vous paraissent mériter des réponses ou des interventions ou des corrections, et puis après donc je vous demande. Et on répond globalement. Voilà, oui. Globalement ou point par point. Alors on ne remerciera jamais assez Serge de Beketch pour nous avoir permis de connaître les produits Beljanski. Et l'on a de la haine pour tous ceux qui ont occulté l'existence de ces produits, qui auraient permis de garder en vie les êtres chers qui nous ont quittés prématurément, alors qu'ils pourraient être encore
auprès de nous. Honte assez, je ne dirais pas quoi. Votre invité est un provocateur fasciste qui fait exprès de ne pas mourir pour le plaisir d'embêter le gouvernement. C'est honteux. Ça fait longtemps que je l'ai dit. Ce n'est pas du tout citoyen. J'espère que ce soir, on va nous donner d'autres exemples de réussite par les produits Beljanski que ceux de M. Wedlich. Un seul cas n'est pas une preuve d'efficacité. Alors, on a dit il tout faut à être crédible. On a fait plusieurs émissions sur le sujet. Écoutez, j'ai reçu Monsieur Le Perlier a dit tout à l'heure qu'il avait vu, je ne sais combien, 3 600 malades. C'est pas un seul cas. Écoutez, dans le dialogue numéro 40, voilà. J'ai fait tout un répertoire d'une trentaine donc de malades, mais de pathologies différentes. Avec les numéros de téléphone et les adresses. Avec les numéros de téléphone et les adresses. On continue, Gérard, les questions. Après vous répondez. On va tout de suite clôturer cette question-là. Comme ça, je vais vous parler de deux autres témoignages là tout de suite. Va couper les... Parce qu'après, on ne redonnera pas la parole aux auditeurs. Vous avez répondu à la question de cet auditeur qui disait, est-il vrai que Mitterrand, dans ses maladies, a fait appel au produit Beljanski? Écoutez, j'ai une lettre de remerciement de son chef de cabinet. Et écoutez, j'ai la preuve entre les mains. Ça intéresse toujours étrangement les journalistes lorsqu'ils viennent me voir. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit Mitterrand ou que ce soit un autre malade? Tout malade a besoin d'être traité, et a besoin du respect et a besoin aussi de garder un certain anonymat sur sa maladie. Que quand on est le premier personnage de France et qu'on profite de ses prérogatives pour se faire soigner et qu'on découvre, comme il l'a d'ailleurs écrit dans Match, qu'effectivement le traitement était excellent, eh bien on a quand même à cœur de faire profiter les autres citoyens. Et là, c'est encore un autre scandale. C'était sa responsabilité, mais ce n'est pas la nôtre maintenant de parler de sa santé. Traitement qui lui a permis de terminer son mandat dans la dignité, et ça c'est extrêmement important, parce que je peux vous dire, il y a quelqu'un que j'ai vu dernièrement à la télévision, là encore c'est Monsieur Balladur, il ne doit pas me porter dans son cœur, parce que je vais vous rafraîchir la mémoire, vous souvenez qu'à l'époque, Balladur s'était séparé de Mitterrand, parce qu'il savait qu'il n'irait pas au bout de son mandat, et il a fait cavalier seul, il est monté dans les sondages, et nous aurions dû avoir aujourd'hui comme président Balladur, parce que Mitterrand n'était censé de pas aller au donc, moment, vous là. Dites, c'est finalement, voilà. C'est à cause de vous que Chirac. Ah ben bravo. Merci Beljanski. Chapeau bas devant la guerre éclair. Allez. Les auditeurs. Pour Beljanski, d'accord, ses médicaments étaient certainement valables. Mais par ailleurs, l'équipe du CIRIS exploite le nom de Beljanski. Leurs médicaments sont dangereux car ils nous font arrêter notre traitement. C'est aussi notre escroquerie parce qu'ils sont chers. Serge, on se sert de vous. J'ai contacté un médecin par téléphone, connu pour employer les produits Beljanski, et j'ai été très étonnée quand il m'a expliqué, gêné, qu'il ne pouvait plus prescrire des produits interdits. Oui, je le connais. Je fume beaucoup et j'ai reçu une boîte de Revol 5 de 100 gélules. Puis-je les prendre? Ça, vous pourriez peut-être répondre par oui ou par non tout de suite. Oui, à titre préventif. C'est une femme pour la prostate. Si c'est un monsieur. Non. Si c'est une dame. Non, c'est une dame. C'est un fumeur. Ah oui. Pause. Alors, j'utilise les produits Beljanski depuis 6 mois pour une leucémie lymphoïde chronique. Et le nombre de mes lymphocytes a baissé de 26%. D'autre part, les produits Beljanski me donnent un tonus que j'avais perdu. Je continue le traitement, bien qu'il m'occasionne des troubles digestifs constants. Il faut le prendre en même temps que les repas. Existe-t-il un médicament de M. Beljanski contre une rétinite pigmentaire avec glaucome? Non. Je suis soignée pour une hépatite B avec les produits Beljanski, PAO, Ginkgo 5, et je fais venir d'Espagne de l'interféron sous forme homéopathique. J'ai utilisé les produits Beljanski pendant 7 mois et j'ai arrêté il y a un mois. Ça m'a guéri les gammas du foie, mais c'est très cher et très compliqué pour les avoir. Alors, écoutez, oui. Et là, j'ai plusieurs questions là-dessus. Il faut tout de même dire que ce traitement est très onéreux. 2 à 3 000 francs par mois. N'y a-t-il pas moyen de faire baisser les prix? Pouvez-vous nous donner des adresses pour aller chercher ces produits? Je suis étonnée que, quand on nous parle du professeur Beljanski, on ne fasse pas le parallèle avec le professeur Solonides, qui a eu le même parcours et les mêmes ennuis que lui. Et lui et d'autres, Nessens, Amer et d'autres. Il m'a été donné de lire, il y a environ 2 ans, La dictature médico-scientifique, écrite par une femme médecin, où l'on parle du professeur Beljanski. Elle n'est pas médecin, elle est journaliste. Non, journaliste. Pourquoi des États-Unis n'a-t-on pas eu plus d'écho de la présence et des trouvailles du professeur Beljanski?
Alors, quel est l'avenir du produit Belgensky hors de France? Les formules de ces médicaments sont-elles connues? J'ai du mal à croire qu'on puisse interdire à un chercheur de trouver un traitement efficace. C'est dur à avaler. Ben oui, mais... Avez-vous pris contact avec des associations qui luttent contre le sida du style ACT UP? Généralement d'extrême gauche. Elles sont néanmoins sensibles à ce genre de problème. Et pour être... on en a déjà parlé, on en parlera tout à l'heure. Formidable caisse de résonance. Et à propos du « on » qui voulait empêcher les recherches de M. Belgensky, je pense à un film des années 70 intitulé « France S.A.R.L. ». Je crois qu'il était d'Alain Corneau. Ce titre était prémonitoire. Si vous voulez bien, je vais répondre à deux ou trois questions, puis je laisserai après Gérard. Je termine avec pourquoi ne pas inviter le professeur Israël pour un vrai débat de fond sur le sujet. Ça a déjà été évoqué, je l'ai proposé, ça n'a pas de suite, donc on ne va pas insister là-dessus. C'est tout. Enfin, là, si on vous demande l'adresse du site internet où l'on peut lire le livre du docteur Gubler. Oh ben, je donnerai la prochaine fois. Je pourrais témoigner en tant que journaliste, donc c'est sur juste un point là. À propos de cette histoire de personne qui dit qu'on arrête les traitements. Alors, tous les gens que j'ai interrogés m'ont bien dit que l'essentiel de la qualité des produits Belgensky, c'était le mot synergie, et qu'au contraire, certains traitements qui marchaient plus ou moins bien marchaient mieux avec les produits Belgensky, que d'autres traitements étant mieux tolérés, tels que les radios par exemple, pouvaient aller beaucoup plus loin avec les produits Belgensky, et en fait, c'est exactement l'inverse que ce qu'a dit. Oui, c'est la désinformation du système. Mais c'est exactement l'inverse. Pour dire les choses clairement. Non pas que tu l'aies dit pas clairement, mais la personne qui dit on m'a dit d'arrêter le traitement traditionnel pendant que je prenais les produits Belgensky, il y a deux possibilités. Ou c'est quelqu'un qui est allé voir un mauvais médecin qui lui a dit une bêtise. Ou c'est quelqu'un qui ment et qui fait de la désinformation en profitant de l'émission pour faire passer ce message sur Radio Courtoisie, qui est un message absolument mensonger. Toutes les conférences, tous les écrits, systématiquement, c'est parfaitement clair. D'ailleurs, le produit agence qui doit être pris en synergie avec les traitements traditionnels. Point. De préférence, il est plus efficace. Il peut être efficace par lui-même. D'ailleurs, il l'est à titre préventif, mais il est encore plus efficace. Et d'ailleurs, Mirko a très bien expliqué le pourquoi de cette synergie. La seule réserve, c'est que si je ne dis pas de bêtises, si j'en dis, n'hésitez pas. Sauf dans le sida. Il ne faut pas boire d'alcool. Il vaut mieux éviter le moins possible. Et l'alcool aussi. Vous savez, dans la synergie, soyons clairs, quelqu'un a évoqué l'histoire d'Israël. Alors, pour vraiment mettre les choses à plat par rapport à Israël, et vous savez que je vous ai envoyé tous les courriers relatifs, des courriers personnels même d'Israël, signés de sa main, etc. Quelle est la vérité sur cette affaire? Israël a essayé l'extrait de Ginkgo Biloba, sous le nom à l'époque de Bioparil, contre les fibroses radiques en synergie de radiothérapie. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. C'est tout. Il n'a pas testé des autres produits de Belgensky contre le cancer, etc. Il y a encore les gens qui disent n'importe quoi. Non, Israël a testé l'extrait de Ginkgo pour les fibroses radiques et il a déclaré qu'il ne connaissait aucun autre produit au monde capable d'avoir cet effet. Qu'est-ce que les fibroses radiques? Lorsqu'un malade a des rayons, de la radiothérapie, et qu'il est brûlé à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est invalidant, mutilant, il n'y a rien à faire contre ça. Et ça fait des séquelles irréversibles et à vie. Lorsque vous prenez les produits Belgensky en même temps, l'extrait de Ginkgo, il n'y a plus ce problème. Alors rien qu'au nom de cet aspect-là, le professeur Israël devrait avoir une haute attitude et encourager ses produits. C'est tout. D'autant qu'il y a une histoire du Ginkgo Biloba qui est simple et qui saute tout de suite, si je peux dire, à l'intelligence. C'est l'arbre survivant d'Hiroshima de Nagasaki. Le professeur Belgensky s'est demandé quel est l'alcaloïde qui permet cette résistance. Et c'est l'extrait de cet alcaloïde, effectivement, très difficilement et très péniblement distillé. C'est un travail terrible. Et bien, c'est simplement ça qu'on donne aux gens qui, eux, subissent les mêmes radios, les mêmes rayons. Et puis, avec une logique extraordinaire, et bien, ça les sauve. Je vais demander d'aller vite parce qu'il nous reste un quart d'heure. Laisse-moi deux secondes. Je voudrais dire que cet extrait de Ginkgo Biloba, là, de Belgensky, n'a rien à voir avec le Ginkgo Biloba de pharmacie. Hein. Attention. Bien sûr, parce qu'il faut. Ce n'est pas du tout la même chose. Monique Belgensky. Quand on dit que les produits sont chers, c'est pour ça que nous avions demandé une AMM. Et c'est pas vrai, les produits ne sont pas chers, simplement les malades ne se rendent pas compte. AMM, autorisation de mise sur le marché pour les gens qui nous écoutent. Oui, autorisation de mise sur le marché.
marché, donc remboursable par la sécurité sociale. C'est la France qui n'a pas voulu, qui a la police, quand elle a fait sa descente en 96, est allée également dans les bureaux de la société qui était chargée de faire la demande d'AMM et a raflé tous les dossiers. Et ensuite, quand les malades demandaient où ça en était, ils disaient, ben, il n'y a plus de dossier, il n'y a pas de dossier. Évidemment, ils les avaient tous séquestrés. Donc, les produits ne sont pas chers. Et d'ailleurs, ils n'ont pas augmenté de prix depuis au moins 10 ans. Alors que fabriquer en Amérique, il coûte beaucoup plus cher que fabriquer en France. Et d'ailleurs, Gérard à les chiffres pour un CDR, je crois que tu as cité plusieurs fois. Oui, bah 36 francs, 600 francs. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans la situation actuelle, je prends en prévention, puisque je tombe jamais malade, pourquoi que j'arrêterais, voyons. Hein. Donc je prends 6 gélules de Pao Pereira par jour, 36 francs. Mais ma démarche prive les laboratoires pharmaceutiques de 600 francs par jour de trithérapie et de médicaments pour enlever les effets secondaires de la trithérapie remboursés 100% sécu. Voilà. Lorsque l'on sait que les hommes politiques qui doivent, les décideurs, sont sponsorisés par les laboratoires pharmaceutiques, exemple Douste Blasi, laboratoire Pierre Fabre, entre autres, mais ils sont tous pareils, hein. Lorsqu'on sait que les journaux sont tenus par les publicités, que dans les groupes publicitaires, vous avez la majorité, ce sont les actionnaires majoritaires, les laboratoires pharmaceutiques, vous avez tout compris. 36 francs, 600 francs. Alors en fait, les prix des produits Belgianski, pour répondre à ces gens qui disent que c'est cher, non, ils ne sont pas assez chers et donc pas assez rentables, c'est le mot, pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est le drame d'ailleurs de tous les produits qu'on appelle les produits pour les maladies orphelines. Ouais. Ça ne rapporte pas assez d'argent, donc on laisse tomber. J'ai interrogé à ce propos, le PDG d'un grand laboratoire, je ne donnerai pas son nom, c'est un ami de 30 ans, mais qui justement m'a parlé franchement pour cette raison, qui m'a dit de toute façon, les produits Belgianski seraient ruineux pour nous parce que ce sont des produits naturels qu'on ne peut pas breveter, et par conséquent, si on dépensait quand même des milliards pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, le premier venu pourrait ensuite les imiter. Voilà. Ce sont donc des produits non rentables. Alors, à propos des associations d'aide, là, il y avait une question. Oui. Eh bien, je dirais simplement ACT UP, hein, je ne vais pas aller plus loin. D'ailleurs, on a tellement monté la pression sur ce sujet-là de l'information qu'ils ont changé leur président, ils ont mis cette jeune fille maintenant qui passe très bien. Mais le président avant s'appelait Philippe Mangeau. Oui, ils sont financés complètement. Et alors, Philippe Mangeau, son père est Jean-Pierre Mangeau, PDG de Welcome France, qui diffuse l'AZT Retrovie. Welcome Glaxo, qui est le laboratoire de l'AZT. Voilà, l'AZT qui diffuse. Et encore un point important, c'est que les produits n'ont jamais été interdits en France. Même la juge dit, par le décret d'interdiction de je ne sais plus quelle date, il n'y a jamais eu de décret d'interdiction. J'ai au journal officiel la preuve. Et ça, c'est encore un mensonge du système. Il y a tellement de mensonges du système qu'on passerait sa vie à les démentir. Il faudrait peut-être, Serge, en trois mots, quand même résumé, ces quatre produits-là, peut-être dire simplement que le fruit des recherches de Mirko Belgianski ont abouti concrètement à un antiviral et anticancéreux qui s'appelle le PAOV. Donc, tout ce qui est maladie, antivirus, ARN, ADN, simple chaîne, ça marche, les cancers, les virus, etc. Bon, le Revolvé, qui est un produit qui est un anticancéreux qui bloque les métastases, et qui est intéressant puisqu'on peut l'utiliser même dans les problèmes, c'est un régulateur hormonal comme les ménopauses, ou il y a différentes applications. Le Ginkgo V qui est un radioprotecteur, donc on a évoqué, qui protège des fibroses radiques, mais aussi qui a des propriétés cicatrisantes intéressantes, et le Réalbuil qui fait remonter les globules blancs et les plaquettes, et qui joue donc un rôle extrêmement important dans l'immunité. Donc nous, notre combat associatif actuellement, c'est de faire savoir qu'il existe bien des anticancéreux, des produits efficaces contre cancer, sida, maladie grave, ou maladie auto-immune, que ces produits agissent en synergie, je le répète, des traitements conventionnels, et qu'ils suppriment tous les effets secondaires connus, la majeure partie des effets secondaires, les nausées, etc. On a des malades sous chimio, sous radiothérapie, qui prennent leur voiture eux-mêmes et qui vont aux soins et qui reviennent. Ouais. Donc il n'y a pas d'hospitalisation. On pourrait réduire le budget de la sécurité sociale d'une manière impressionnante en utilisant Mais je dois dire que malgré notre bonne volonté, on en a absolument
ras-le-bol de la France et qu'actuellement ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe. Je suis désolée d'avoir ici à Radio Courtoisie, qui est une radio qui cherche toujours à défendre les intérêts de la France, mais on a tiré un trait sur la France du point de vue de fabrication ou d'espérance de reconnaissance de ces produits. Il y a eu une telle mauvaise volonté, ils ont été tellement atroces et odieux que finalement, bon, on les oublie. Hein, mais je crois qu'il faudra pas. Enfin, c'est pas possible d'en rester là. Il y a bien un moment où il faudra tirer au clair et tirer cette affaire au clair et identifier la mafia, les mafieux, les voyous, les gangsters politiques et financiers. Ça se passe dans les sphères politiques et comment voulez-vous qu'on ait... Ça, c'est toutes les procédures judiciaires qui sont en cours. On a des procédures, mais écoutez, d'un nombre, ça commence à m'impressionner. Moi, je suis là-dedans. C'est très pénible pour moi. On a des procédures fiscales. Alors, vous savez, par exemple, sur les procédures fiscales, on nous a réclamé jusqu'à la somme de 6 millions. Vous vous rendez compte, hein, l'association épouvantable de TVA, d'impôts, etc. Et, tout ça. Et puis, en contestant, j'ai obtenu des dégrèvements. Et mon épouse qui travaille aux impôts était stupéfaite, elle m'a dit j'ai jamais vu ça, j'ai obtenu un dégrèvement de 3 millions. Alors, en fait, on doit rien du tout. Vous ne doit pas Lagerfeld. Oui, alors justement, j'arrive. Mais alors, on ne doit rien. Alors, vous comprenez pourquoi on ne doit rien? Parce que le fisc s'accroche sur un point, qui est l'utilité sociale. Vous savez que la différence entre une association et une société, il y a plusieurs points, pas d'enrichissement personnel, vous savez, bon, tout ça c'est clair pour nous, etc., tout ça, mais il y a le volet de l'utilité sociale. Eh bien là, le fisc dit, vous n'aviez pas d'utilité sociale parce que les traitements actuels contre cancer, sida donnent entière satisfaction. Alors je laisse vos auditeurs juger de cela. Et nous disons bien sûr le contraire. Donc le conflit de cette haute somme qui nous réclament, et encore sur des histoires tout à fait invraisemblables, et on est devant les tribunaux administratifs. Mais Gérard, tu sais bien que l'État ne peut pas avoir tort. Bien sûr. Alors, dans la procédure fiscale, justement, ce que dit Monique Beljanski, la dernière ligne d'un gros mémoire, qui est la clé de voûte de toute la procédure fiscale, il est écrit par un conseiller de Strauss-Kahn, que l'État ne peut pas avoir tort et que les arguments de l'association Syris ne doivent pas être tenus. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, je crois qu'on... Un dernier mot quand même pour dire aux gens qui cherchent des renseignements et qui les chercheraient après. Un livre a déjà été écrit sur Beljanski, donc qui s'appelle « La santé confisquée ». Et je crois qu'une dizaine d'exemplaires sur Paris en ont été déposés à la librairie Duquesne Diffusion, qui se trouve 27 boulevard ou avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement. Alors, d'autre part, Monique Beljanski a écrit un livre qui s'appelle « Une fatwa scientifique ». Chronique d'une fatwa scientifique et qui sortira un petit peu avant le mois de mars. On en parlera, qui ne sera pas. On reviendra pour faire une émission juridique. Une seule petite question. Les produits Beljanski sont-ils efficaces pour la sclérose en plaques? Oui ou non? Ben écoutez, oui, puisqu'il y a une malade qui a témoigné dans la revue Dialogue. Avec une malade, on ne peut pas... Oui. Non, mais il y en a d'autres. Il y a des raisons de penser que ça doit être utile et que ça apporter un... L'un qui régule l'interleukine 6 et l'autre qui agit sur l'immunité du système nerveux. Alors, il nous reste une minute pour que vous donniez traditionnellement l'adresse. On a un site internet beljanski.com où on a toutes les coordonnées. On a plusieurs sites sur Internet, même en anglais, en français. J'ai laissé à la radio des tracts. J'ai laissé des formulaires qui s'intitulent « Comment obtenir les produits Beljanski pour prendre sa santé en main ?» où il y a tout expliqué de A à Z sur les produits. Mais pour être très très simple, il suffit d'envoyer à Syris, C-I-R-I-S, Syris, l'association Syris, C-I-R-I-S, 16 chemins de Saint-James, 16, chemin de Saint-James, J-A-M-E-S, 17 550 Dolus, D-O-L-U-S. Vous envoyez un petit mot, votre carte de visite, n'oubliez surtout pas de mettre votre nom, votre adresse, et vous mettez dans votre enveloppe, je précise bien, un carnet de 10 timbres à 3 francs pour couvrir les frais, et 2 carnets si c'est urgent.
parce que nous envoyons tout en petite vitesse et c'est de l'information à prix coûtante. Alors là, vous recevrez 250 grammes de lecture, deux revues dialogue, des témoignages de malades, la casquette le scandale, team, les erreurs de passage, enfin tout, où se procurer les produits, comment connaître le nom d'un médecin, vous saurez tout de A jusqu'à Z. Merci. Et alors, ces dossiers sont partis dans la nature et je tiens à dire que c'est ce qui me protège un petit peu parce que demain, naturellement, à défendre un tel sujet, il pourrait m'arriver un drôle d'accident, comme on dit. Eh bien, là, avec cette information qui est partie partout, on n'a plus la maîtrise, c'est à l'étranger. C'est plus la peine de te tuer. Et voilà. Merci, merci Jean, merci Monique Beljanski.